Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous avez bien écouté moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, un peu comme celui de la 488 Pista pour ceux qui avaient vu la dernière fois. Mais là ça va être différemment, je vais vous expliquer le concept. Ce que je vais faire d'abord c'est vous montrer les statistiques de la voiture. Du coup en l'occurrence là ça va être la Camaro ZL1 PO qui vient d'arriver. Elle est disponible actuellement, je tourne samedi matin, elle est disponible de 10h à 13h, donc foncez. Foncez, elle est qu'à 500 forces à ton point, donc c'est vraiment pas cher du tout. Les statistiques globales, en vitesse on a 9.3, en tenue de route on a 9.3, en accélération 7.6, en départ arrêté 9.1 et en freinage 9,8, donc c'est énorme. Dans les statistiques un peu plus précises, donc en kilowatts, en puissance on est à 742 kW, ça fait environ 1010 chevaux. On a un couple impressionnant, quasiment 1200 Nm, 1183, donc c'est énorme. Seulement une tonne une. 1 tonne 162 le poids, avant 50% et cylindré, c'est un 7000 de cylindré. Donc c'est une voiture qui arrache vraiment fort. J'ai testé vite fait. En tenue de route, c'est l'âme seule car le plus abusé que j'ai jamais vu dans le jeu. Vraiment, la 9.30 tenue de route, elle est autant qu'une F12 TDF, c'est totalement pété. L'accélération est énorme et pour vous dire, celle que j'avais réglée, les anciennes, la ZL1 de 2017, la version normale, elle prenait 360 en VMAX alors qu'il y avait plus de chevaux. Et celle-ci, c'est marqué 400 et je l'ai testé vite fait et elle a vite pris les 380. Donc, le tracé, ça va, je pense que ouais, je vais vous l'expliquer, je vais pas vous mettre de photos dans le montage. En gros, on part de l'autoroute. Ensuite, on fait tout l'autoroute pour tester la VMAX. On arrive au niveau d'un rond-point, le rond-point qui est tout au fond de la map. On tourne, on va vers les montagnes, on fait le tracé que j'ai fait avec la 488 l'autre jour, et ensuite on arrive au village et on s'arrête. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer un peu. Maintenant, on va passer au test de la voiture. Allez, salut à tous et bon visionnage.